Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de retrouver ma communauté. Aujourd'hui, cette vidéo va parler de comment je fais pour être en week-end le jeudi soir alors que j'ai 10 entreprises à gérer entre la France et les États-Unis. Dans un premier temps, je vais d'abord me présenter parce que vous ne me connaissez pas forcément. Donc, je suis David Van Leck. Je suis un expert en growth hacking reconnu, formé par Sean Ellis, l'inventeur de la méthode en 2010, et j'ai été moi-même formé en 2016 et 2017. Je suis aussi aventurier, puisque j'ai fait 5000 randonnées des 63 parcs nationaux en 5 ans aux États-Unis avec mon épouse. Je suis aussi écrivain, j'ai écrit le livre de l'enfant du devoir, qui est un roman philosophique, et je suis philosophe. Je vous invite à inscrire et à vous inscrire sur la date ici qui figure pour mon prochain webinaire où je vais vous expliquer un peu comment, avec des secrets, des méthodes, des outils, comment utiliser et développer le growth hacking dans vos entreprises. En attendant, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche qui est ici pour vous abonner à la chaîne et vous abonner aussi à tous mes réseaux sociaux où je suis très actif. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner un petit secret, même un gros secret, sur l'une des stratégies de ma réussite. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo parce que vous aurez un secret qui est très important pour moi. Commençons par comment je fais pour être en week-end tous les jeudis soirs alors que j'ai 10 entreprises à gérer entre la France, l'Oise où je suis implanté, dans les Hauts-de-France, et les États-Unis où je suis implanté essentiellement à Las Vegas. Le premier point, c'est que j'ai transformé mes entreprises en coachant individuellement et collectivement l'intégralité de tous mes salariés, donc à l'époque c'était une douzaine, afin qu'ils puissent définir eux-mêmes la vision de leur entreprise, afin qu'ils puissent ensuite définir une vision collective, donc ils ont été ensuite coachés collectivement, ça a duré 2 ans, et ensuite, on a élaboré une stratégie à 5 ans. Une stratégie à 5 ans qu'ils n'avaient plus qu'à déployer, sauf gros incidents, comme ici dernièrement avec la Covid, où il a fallu réadapter cette stratégie. Sinon, tout était parti. En 2019, ils m'ont même fait plus 30%. Et donc, cette entreprise est devenue, toutes ces entreprises sont devenues des entreprises libérées. C'est un des secrets de cette réussite, et c'est un des secrets du pourquoi je suis le week-end, parce que tout simplement, aujourd'hui, ce sont l'essentiel de mes salariés qui gèrent mes entreprises. Ceci étant, ça ne veut pas dire j'ai mis un directeur pour me remplacer, ça aurait été trop facile. Non, c'est l'ensemble de mes salariés qui gèrent aujourd'hui l'ensemble de mes tâches pour l'essentiel. Ce qui fait que je peux me consacrer largement sur ces 4 jours, que j'ai de travail, je peux largement me consacrer à d'autres projets, comme par exemple le développement et l'accompagnement du growth hacking dans les entreprises et le développement d'une franchise d'experts en growth hacking qui s'appelle les Compagnons IT. L'un des autres secrets pour ma semaine de 4 jours est une hyper-organisation, c'est-à-dire que mes 4 jours sont extrêmement organisés. Dans mon agenda, il est impossible pour moi, pour qui que ce soit, de prendre un rendez-vous le vendredi. C'est juste pas possible. Et c'est comme ça depuis toujours. Donc, je dois tout caser en 4 jours. Avec ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, la gestion du temps, c'est-à-dire je mets d'abord mes grosses pierres que sont ma famille, mes enfants et pour moi les voyages, c'est important. Ensuite, j'y mets les pierres moyennes, les petites pierres, le sable et l'eau. Et c'est comme ça que j'arrive à tout caser dans une journée. Une journée qui, pour moi, débute à 4 heures et se termine à 16 heures ou 17 heures. Ce qui fait qu'au bout des 4 jours, j'ai fait en fait 6 jours. C'est-à-dire que je gagne une journée et demie quasi toutes les semaines. Tout simplement parce que de 4 heures à 5 heures, je ne fais pas de pause, je commence tout de suite à travailler. Je fais tout mon administratif, je fais tous mes devis, mes factures, je regarde ma gestion d'entreprise, mes projets, je fais mes lectures, je ne suis dérangé par absolument personne à ce moment-là. Ce qui fait que ces 4 heures ou 5 heures de travail représente quasiment une journée de travail puisque personne ne me dérange à ce moment-là. Je suis focus à plein sur mon job. Donc voilà, une hyper-organisation. Je suis une alouette, c'est-à-dire je me lève à 4 heures du matin. Des équipes qui ont été formées pour être totalement autonomes sans avoir besoin de cadres, de dirigeants et sont les 3 secrets qui font que le jeudi soir,
je peux partir en week-end de 3 jours où bon me semble. Pour ce qui est de mon petit secret que je vous ai promis à la fin de la vidéo, et qui consistait à dire l'un des secrets de ma stratégie de la réussite, c'est la culture générale. C'est-à-dire, je suis comme dans un poisson dans l'eau, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, parce que je développe une culture générale, je suis ce qu'on appelle un zèbre. Un zèbre, c'est pas un haut potentiel. Un zèbre, c'est quelqu'un d'hyper curieux qui va lire des tas de choses sur des tas de sujets. Alors, ça peut être gênant quand on est chef d'entreprise, parce qu'on peut avoir tendance à s'éparpiller. Ce qui explique que je me retrouve avec une dizaine d'entreprises dans des secteurs d'activité différents. Heureusement que j'ai cette organisation-là, sinon je n'y arriverais pas. Mais la culture générale, c'est-à-dire la lecture de tout, tout le temps, en tout lieu, à tout moment, des documentaires télé sur toutes les chaînes, sont une force phénoménale qui fait que je suis comme dans un poisson dans l'eau, quel que soit le milieu, quelle que soit l'activité, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Je pense que c'est, dans ma stratégie de la réussite, l'une des clés essentielles de ma réussite. J'espère vous retrouver très très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, je suis hyper actif sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi, et je suis là pour vous aider, je suis là pour vous. Nous sommes là ensemble pour avancer. Je vous salue bien fort, et je vous dis force et courage, à très bientôt.